Banque Populaire, c'est une quinzaine de permanents à l'année pour s'occuper de tous les bateaux de course au large de Banque Populaire. Là, on a un magnifique ultime de 32 mètres par 23, mais on était présent également au Vendée Globe cet hiver aux côtés de Clarisse Kremer. Tous les bateaux de course au large sont gérés par le team. C'est une grosse activité économique que Banque Populaire entretient dans le nautisme. Par exemple, ce bateau, il est à l'eau depuis un mois et demi, mais ça a été 24 mois de conception et de construction. 150 000 heures de travail par 150 entreprises françaises pour un budget global de construction de 12 millions d'euros. C'est ça, dans ces temps difficiles de pandémie, bon, on peut dire que Banque Populaire a été un soutien actif à l'activité nautique française. Nous, on a envie de gagner les courses, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc, on a tout un très beau programme à venir. Il commence par la Transat Jacques Vabre au mois de novembre en double avec Armel et Kevin Escoffier à bord du bateau. Et alors là, on aura un bateau certainement un peu jeune pour prétendre à la victoire, mais on a un gros objectif l'année prochaine qui est la Route du Rhum. On a une revanche à prendre sur cette Route du Rhum qui nous a fait quelques petits malheurs ces dernières années. Mais on est très motivés pour que Armel puisse aller chercher la plus haute marche du podium.